Mais baron va lobby Mbongo et Mati Babongisi Mboka et Sengé Libo Pesa va reçu mandat. Est-ce que Bino Bogoni va Pesa sur baron mandat? Moulo et Bengi 2023, les Alimbouna y a bilan. Bilan y a gouvernement. Bilan y a Bayebazo Kambamboko. Nandenge Bisoto, Moni. Nandenge Bisoto, analyser Mboka Nézo Kumba Malelo, Nézo Kumba Mamala Bote. Mboka Mobimba Tofandi, Lelo Okoka, Motoana Aibi 10 millions. Oyokuna 100 millions. Mboka Mobimba ezala kakaka mikolo nyonso scandale na scandale. Ma mission TV, le miroir du monde. Mais na kotala ndenge bakukumbela mboka lelo, ce qui te continue na ngo. En tout cas, toujours que des dames, peu pas ma casse. Il y a un autre lobby. Les aïs sous et les co, il y a bateau, baya pour tambour la basse à la bino, ma promesse était. Les aïs sous et les co, moto, aïa pour ta la bino, à l'obana pour ça là, n'a pas ça la boîte. Moulo yotou bengim 2023, les alimboula, il y a bilan. Bilan, il y a gouvernement. Bilan, il y a bayebazo kambambo. Nandenge bisoto mono nandenge bisoto analyser mboka nenge zo kumba malelo ezo kumba mamala bote bato bele bazali abandonné okumona bilenge biseka bazali misala ezali te sécurité ezate na mboka développement na mboka ezo bota te mais en même temps mosolo ya mboka eza komata. Bilenge, bazui misala? Est-ce que bazui misala? Bazui misala? Ba salaire nabino emati? Ba lobi ba salaire nabino emati? Salaire emati? Ba lobi? Ba lobi boye? Ba soin de santé et commis au félé? Est-ce un solo? Vous êtes solo? Terre, mais bon, tu m'as rappelé bateau. Balobi boy. Balobi classe et commis au félé. Bon, tu m'as rappelé. Balobi classe et commis au félé. Classe, c'est ça au félé? Oh. Mais la Kinshasa, on a sema. Ma somme est au bout de ça. Ah, pas oh. Qui est-ce que ça vous fait? Batongi, le bureau Banzela. Banzela, Batongi. Mais Baron va lobby. Mbongo et Mati. Babongi Simboka. Et Sengé Libo Pesa va reçu mandat. Est-ce que Bino Bogoni va Pesa sous mandat? Mboka Mobimba Tofandi, Lelo Okoka, Motoana Aibi 10 millions. Oyokuna 100 millions. Mboka Mobimba Ezala Kakaka, Mikolo Nyonso, scandale na scandale. Je suis Odon Mouvial Mitéou et je suis ici devant vous pour vous parler de notre parti politique qui est l'Union des Congolais pour le progrès intégral. Lequel parti politique dont je suis l'autorité morale et le résultat d'une longue marche qui a commencé sous forme d'une association et qu'on a mué en parti politique parce que les enjeux de l'heure et les exigences pour la bonne marche de notre pays le demandaient. Le pays, comme je viens de vous le dire, c'était d'abord une association, mais c'était une association de gens, de femmes et d'hommes congolais qui étaient quand même, comment vous le dire, qui étaient implantés sur plusieurs régions de notre pays
Et aujourd'hui, nous avons commué sans parti politique parce que nous avions jugé bon de le faire au regard des problèmes et des enjeux que nous rencontrions en tant qu'association lorsque nous parlions avec nos membres et nos concitoyens. Tous ces pays, c'est une volonté de régler les problèmes de notre pays par le biais de certaines valeurs que nous partageons, des valeurs qui permettent aux hommes et femmes de cheminer ensemble, comme l'amour, l'unité et le travail. Nous pensons que ce sont des concepts qui permettent au parti de fonctionner et le parti de s'affirmer. Il faut savoir, comme je vous ai dit, que ce parti est sur 22 provinces. Les élections, c'est une obligation démocratique qui est inscrite dans notre constitution. Les élections, c'est le moment par excellence, pouvoir que détient le peuple sur les dirigeants d'un pays. Je souhaiterais que le processus de déroulement des élections soit le mieux possible et j'invite aujourd'hui la population de tout le Congo entier d'aller aux élections et surtout d'honorer sa première phase qui est l'enrôlement. Tout pays doit aspirer à la paix. Donc une agression qui dure depuis plus de 25 ans, une agression qui ne bénéficie pas du regard qu'il devrait bénéficier de la part de la communauté internationale, parce que cette agression a engendré la mort de nombreux de nos concitoyens. Cette agression a engendré des affres dont on ne parle pas. On nous a parlé du génocide rwandais, mais il y a aussi un génocide ici au Congo. Des rapports des instances internationales les plus crédibles, ou qui ont pignon sur rue, comme les Nations Unies, comme d'autres internationales, font état de ces genres de tragédies. Nous nous posons la question de savoir pourquoi tant d'injustices dans le traitement du dossier Congo par rapport à cette énième agression. Mais aujourd'hui, nous saluons quand même le changement d'attitude des instances internationales, parce qu'il y a quand même une victoire diplomatique importante qui doit être soulignée. La levée de la notification qui frappait le Congo sur ses achats d'armes. Aujourd'hui, le Congo peut acheter librement ses armes pour se défendre. Nous devons rester vigilants, comprendre que bon, le Congo, c'est notre seul bien à nous, qui nous est commun, que nous devons défendre son intégrité, sa souveraineté, de manière totale et sans complaisance. Donc, l'agression, on la condamne, mais nous, Congolais, nous avons la responsabilité de mettre fin à cela. La RDC étant un pays continent, qui a la taille d'un sous-continent, disons, et qui est un pays qui est un peu spécial aux yeux du monde, parce que c'est un pays qui est économiquement riche, d'autres parlent même de scandales géologiques. C'est un pays, maintenant on parle d'un pays solution, parce que face à tous les gros problèmes que le monde rencontre dans sa marche, les solutions peuvent être trouvées en RDC de par, je prends par exemple sur le plan environnemental, sa forêt qui devient un poumon, le deuxième poumon du monde, ses atouts hydrauliques. Tout ça fait que nous avons, nous, Congolais, la responsabilité écrasante, je dirais, de faire fonctionner ça au mieux des intérêts des Congolais et même quelque part de l'Afrique et du monde. À l'UCPI, nous sommes décidés à combattre les antivaleurs pour que nous transformions ces potentialités en réalité palpable pour notre pays et pour le reste du monde. À l'UCPI, nous nous réjouissons du rôle politique que le Congo joue dans la résolution des problèmes climatiques et surtout de la place que le Congo prend dans la résolution des problèmes, vu qu'il est un pays solution. Il y a tout un tas de raisons qui font que l'UCPI se considère, elle, comme un parti proche de l'Union sacrée. Ma Mission TV, le miroir du monde.
Ma Mission TV, le miroir du monde.